cette vidéo, je vais vous présenter la beauté des chiffres et des nombres. Regardez, par exemple, vous avez 111 divisé par 1 plus 1 plus 1, ça fait 37. Donc 111 divisé par 3, puisque 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. 222 divisé par 2 plus 2 plus 2, 222 divisé par 6, ça fait aussi 37, etc. C'est pas remarquable? Donc je vous laisse admirer. Vous voyez, ça marche avec 333, 444, etc. jusqu'à 999. Hein, divisé par 9 plus 9 plus 9. Donc 999 divisé par 27, ça fait aussi 37. Je trouve ça remarquable. Au passage, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un chiffre et un nombre? Eh bien, par exemple, un chiffre, c'est 1. C'est un chiffre quand il est tout seul. 2, c'est un chiffre. 3, c'est un chiffre. 0, c'est un chiffre. Et 222, par exemple, c'est un nombre. Ou bien 333, ou bien 24, c'est un nombre. Voilà la différence. Hein. Donc là, je vous présente aussi de belles pyramides. En voici une. Je vous laisse l'admirer. Hein. Je trouve ça remarquable. Je trouve ça fantastique. Regardez, 9 fois 9 plus 7, ça nous fait 88. 98 fois 9 plus 6 égale 888, etc. Vous voyez, donc là, on n'a que des 8. Là, on a des chiffres décroissants, hein, de 7 jusqu'à 0. Là, on n'a que des 9, etc. Donc, je trouve ça admirable. Donc, je tenais à vous le présenter également. Donc, on va voir d'autres belles pyramides. En voici encore une. Donc, voilà, vous avez 1 fois 8 plus 1 égale 9. 12 fois 8 plus 2 égale 98. 123 fois 8 plus 3 égale 987, etc. Donc, vous voyez bien que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez. Je vous laisse admirer. Je trouve ça remarquable et je voulais le partager avec vous. Voilà encore une belle pyramide. En voulant calculer 11 au carré, 111 au carré, 1111 au carré, regardez qu'est-ce qu'on découvre. Donc 11 au carré par exemple. 1, 2, 1. 111 au carré. 1, 2, 3, 2, 1. Donc là vous avez 3 fois le chiffre 1. Donc vous faites 1, 2, 3. Et après, on décroît de nouveau. 3, 2, 1, oui. 1111 au carré. Eh bien, vous faites 1, 2, 3, 4. Parce qu'il y a 4 fois le chiffre 1. Et après, on décroît. 4, 3, 2, 1. Par exemple, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois le chiffre 1. Donc, ça nous fait 1 111 111 au carré. Et bien voilà, le résultat, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, on décroît. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est remarquable. Et voilà, encore une nouvelle pyramide que je vous laisse admirer quelques instants. Voilà encore une belle pyramide dont les résultats sont que des 1, vous voyez. Donc, 1 fois 9 plus 2 égale 11, 12 fois 9 plus 3 égale 111, 123 fois 9 plus 4 égale 1111, etc. Vous voyez? Donc, je vous laisse admirer également cette pyramide quelques instants, car c'est remarquable. Pour finir, je vous présente encore deux belles pyramides où les chiffres se répètent. Donc, vous voyez, 33 au carré, ça fait 1089. 333 au carré, ça fait 110 889. Vous voyez, le 1 et le 1, avec le 0 et le 8 et 8, se répètent à chaque fois, vous voyez. Et pareil pour 66 au carré, 666 au carré, 6666 au carré, où vous avez les 4 qui se répètent avec les 5. Je vous laisse admirer, car c'est remarquable. Et si vous avez, vous, d'autres pyramides, hein, vous pouvez les partager avec moi, et je serai ravi. Cette vidéo est maintenant terminée.
Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne hein, aussi. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.